Bonjour, je m'appelle Arthur Rennes, je suis enseignant ici à CY. J'enseigne plus particulièrement l'éducation physique et sportive pour nos étudiants et nos personnels, donc au service des sports, au SUAPS de CY. On est trois enseignants à enseigner du coup les activités physiques et sportives, Régis, Thierry et moi. Et ensuite, la partie administrative, c'est Sandrine et Valentin. Ce qu'on essaie de faire en général, c'est de diversifier au maximum notre offre. Le but, c'est vraiment que chacun trouve un petit peu de quoi s'épanouir sportivement au sein de l'université. Il y a des activités qui sont plus ciblées pour le personnel parce que les créneaux correspondent mieux. Voilà, je pense aux créneaux entre midi et deux, les créneaux des fois le soir. On a du sport un petit peu partout, sur tous les sites. Donc, on a ici à Cergy, on essaie de développer un petit peu à Neuville, on a à Saint-Germain. Les jeudis sportifs, c'est quelque chose qu'on a instauré déjà depuis l'année dernière. Ça nous permet de profiter du cadre à l'île de loisirs et de réaliser plusieurs activités qui sont proposées. Voilà, il y a de l'acrobranche, il y a du tir à l'arc, il y a de la vague à surf, il y a du ski nautique. On a un gros temps fort aussi à la fin de l'année avec la Campus Day qui est un moment où voilà, les étudiants se retrouvent et puis on fait des belles compétitions où tout le monde essaye de faire de son mieux et de représenter ses couleurs. Alors moi, ce que j'apprécie à CY, c'est la diversité avec le public. Moi, je vois du personnel administratif, du personnel enseignant, je vois des étudiants, on pratique tout du sport ensemble et pour moi, ça, au quotidien, c'est une richesse extraordinaire. Alors moi, à titre personnel, je pratique le triathlon. C'est une compétition sportive qui allie trois disciplines. Dans un premier temps, on nage, donc des fois dans la mer, des fois dans un lac, un étang. Ensuite, on récupère notre vélo, on fait une petite balade à vélo, plus ou moins longue selon les courses qu'on fait. Et puis ensuite, on termine cette course par une petite course à pied, pareil. Voilà, le but étant d'aller le plus vite possible ou de terminer, ça dépend de chacun. Alors moi, le sport à titre personnel, c'est un vrai équilibre. Pour pratiquer le triathlon de la manière dont moi je l'entends, ça demande énormément de temps, énormément d'organisation. Donc au quotidien, c'est quelque chose qui rythme mes journées. C'est trouver le bon équilibre entre la vie professionnelle, la vie familiale, la vie personnelle et la pratique sportive.